Bonjour, aujourd'hui nous allons faire un petit tour de nouveau sur ce potager que vous connaissez désormais. La dernière fois j'ai filmé les pépinières de ces tomates, enfin les plants de ces tomates à la taille toute petite, on venait à peine de les piquer. Et donc là c'est 3 semaines plus tard. Voilà le plant, comment il est très grand. 3 semaines plus tard et on a tuteuré, on a mis les tuteurs. Pour soutenir voilà la plante, parce que la tomate, surtout quand elle va porter les fruits, le plant va être lourd et il risque de tomber. Donc on met un tuteur, on attache, voilà, on a attaché ici pour le soutenir. Donc après 3 semaines, après avoir piqué, il a fleuri. Donc voilà les fleurs ici, les fleurs là, ici, voilà des fleurs ici aussi. Des fleurs. Voilà, des fleurs. On va rapidement faire un tour. Voilà, ici et là. Donc des fleurs un peu partout, hein. Les plants sont très beaux et très grands, ça promet. Ça promet. Voilà. Voilà, ici encore des fleurs. Ça promet. Celui-là, il est atteint. Celui-là, il a été atteint, il a de drôles de couleurs, mais il a quand même fleuri. On va traiter tout à l'heure. Voilà des plants et des plants. Donc je vais faire un visuel global. Ils sont très très beaux. Regardez comment ils sont grands. Il faut savoir qu'ici c'est de la tomate cœur de bœuf. Donc c'est le cœur de bœuf. La variété c'est cœur de bœuf. Et Ninja, il y a deux variétés ensemble sur cette planche, donc cœur de bœuf et Ninja. Et là, comme les plants ont fleuri, ici il y en a moins, parce que les autres sont encore un peu petits, ils sont en train de lever, ils lèvent pas tous à la même vitesse, hein. C'est comme les enfants, il y en a qui poussent vite et il y en a qui poussent moins vite. Mais tous, comme je l'avais précédemment annoncé dans l'une des vidéos, quand les plants venaient d'être piqués, ça promettait. Là, ça a vraiment donné. On va avoir plein de tomates, plein de tomates. Voilà. Et on arrive bientôt à la fin de la planche. Donc, je rappelle que c'est une planche de 23 mètres sur 1,50 m, 23 mètres sur 1,50 m. Voilà, ici c'est la fin de la planche. 23 mètres sur 1,50 m. Et là, comme les plants ont fleuri, cela veut dire aussi que dans encore 3 semaines, il y aura déjà des fruits assez gros. Et dans un mois, un mois à tout casser. Eh ben, on pourra faire une récolte, les fruits vont arriver à maturité. Ces tomates, c'est un cycle de 1 mois et demi et 1 mois et demi. Donc, voilà, 3 mois. Un peu moins de 3 mois, 3 mois à tout casser. Donc là, dans 1 mois à tout casser, on va faire la récolte. Et je ferai encore une vidéo le jour de la récolte. Merci beaucoup. Je vous fais profiter du paysage. En fait, ici, il n'y a que des potagers, des potagers, des potagers, des potagers. C'est vraiment un coin où, un coin de la débrouille. Voilà, c'est super. J'adore ici. J'adore. Merci et à très bientôt, prochainement dans une autre vidéo.